2018, Paris. Une petite annonce paraît sur Internet. Des célibataires de tous les horizons vont pouvoir obtenir un rendez-vous amoureux avec une personnalité. La personnalité, c'était moi. Parmi 30 000 prétendantes, seules quelques-unes ont eu le privilège de le rencontrer. Certaines filles ont peut-être été déçues, d'autres ont été contentes. Bienvenue dans les Speed Dates de Jean-Mi. Il est où l'amour? Il est où? Bah j'aimerais bien qu'il soit là, parce que moi je l'attends. Putain, et j'en peux plus. Ça va. Je peux encore tenir un peu, mais... Bon allez, let's go. Kiss. Esprit, es-tu là? Oui, je suis là. Est-ce que tu sais que je dois essayer de découvrir déjà comme ça à la gueule? Oui, le visage. Oui, ça? Ah oui, le visage. Bah oui, je vais pas toucher ton moule. Vas-y. Un peu frisé. Brune, à cheveux courts. Je vois du gros dos. Ah ouais. J'ai envie de te mettre 8 sans te voir. Oh, pas mal, merci. Ouf. Julia. Ouais. Ça va? Ça va et toi? Oh. Jean-Michel. Blivy, enchanté. Vous êtes vachement beau, hein? En vrai. Mais toi aussi, c'est très beau. Qu'est-ce que je dois savoir de toi en quelques mots? Déjà que je suis libre, célibataire. Ah bah j'espère, hein, bah si tu dis qu'il y a ton mari qui déjà. Est derrière, ça va pas le faire. Oui, c'est ça, il attend en bas. Je prends mal la tour. Bon, et toi, moi, je suis toujours sur célibataire. Parce que ça, tu fais trop la fête. Je suis chien de la casse de la télé, moi, c'est une horreur. Peut-être. J'ai pas de hobby particulier, je fais pas beaucoup de sport, malheureusement. Juste... Ah bon? Voilà, je fais un peu de golf, mais je fais pas beaucoup de sport. On s'en bat les couilles, Et autrement, j'aime bien, moi, les... profiter de mes amis, On s'en bat les couilles. Les petits films avec ma chérie. On s'en bat les couilles. Et t'aimes bien que ton chéri, ça soit un peu le petit pacha, tu t'en occupes bien? Ah oui, bien sûr, c'est-à-dire... À tous les niveaux? Ah oui, à de même au lit, bien sûr. Oui, tous les niveaux au lit. Bien sûr. Surtout au lit, sinon il va aller voir ailleurs. On va t'ennuyer. T'as tout compris. Surtout au lit. Bah, bien sûr. Qui mange bien exactement. Dans la cuisine et au lit. Exactement. Comme ça, il va pas au restaurant. Il est là pour jouer. Évidemment. Chambre 718. Déjà. J'aime surtout le rire avec mon homme, ça, j'adore. Bah, faut pas que tu ris quand tu vois son zizi la première fois. Non, je vais essayer de me rire, ça m'est jamais arrivé, mais il faut penser à ça aussi. Non, je plaisante. Avec moi, tu ne rires pas. Tu pourrais applaudir peut-être. Ouh loulou. Vérité, quelle est ta position sexuelle préférée? Pas obligé de dire un truc, pas obligé de dire que t'aimes bien être attaché avec les chaînes, etc. Ah, j'aime bien pourtant. Tu vois, t'as répondu. Bon, c'est ça, j'ai un peu pipoté, décris ton idéal féminin, ton idéal masculin. Mais quel mytho! Non, en fait, je vais regarder tes trucs avant, parce que... Quelle est ta position sexuelle préférée? Avant, j'étais très levrette. Ouais. Et alors, j'aime toujours, mais j'ai découvert que quand t'es assis sur un canapé, que la fille est sur toi, comme ça, c'est très très agréable. Oui, comme ça, tu peux aussi t'occuper des seins en même temps. Voilà, parce que le problème de la levrette, c'est que tu vois pas la fille. C'est un côté un peu, je trouve, les sensations sont bonnes, mais... Ça manque un peu de convivialité. Fais-moi la tête que tu fais quand tu fais l'amour. C'est compliqué comme question. Bah, c'est gênant. Bah, est-ce que tu le sais, tu te regardes pas dans un miroir? Bah, en général, parfois on me filme. Moi, c'est très expressif. Toi, t'es inexpressive. Ouais. Ah, d'accord, ok. Ah, oui. T'es sonore. Je suis très sonore. Faut pas qu'il y ait de voisin, quoi. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez l'autre? Le visage. Et là, mon visage. Ah oui, harmonieux, j'aime bien. Ouais. La barbe blanche crisse comme ça. Ouh. Moi, j'en peux plus. Je suis désolé, je suis un peu hypnotisé par ton t-shirt, ton rond, c'est quelle marque. C'est Léo. Je suis pas sûre que ce soit Léo. Je fais depuis tout à l'heure que je me force à regarder tous les yeux. Et j'aime bien les tatouages aussi. J'adore tes tatouages. J'adore les filles. J'ai tout l'attirail, moi. À toi. Super. J'espère une action, là, il y en a marre de vérité. As-tu déjà eu une expérience homosexuelle? Jamais. Toi, en revanche, si t'es bi, on peut se faire un trio avec une copine, si tu veux. Mais non, je suis pas bi, mais j'ai déjà eu une expérience. Je suis déjà allée à un club échangiste. Et je me suis fait... C'est vrai? Ah oui. Et je me suis fait... Au moins, par curiosité, il faut y aller au moins une fois. C'est vrai. Je me suis fait draguer par une femme. Ah, donc, en fait, tu t'aimes bien les filles aussi, hein? Oh, tu sais, la langue, c'est universel, hein. Oui, c'est pas faux. Tu te mettrais combien au lieu de 1 à 10? Tu te mettrais quelle note? Un bon 8,5. Un bon 8,5? Et si j'ai envie de lui, là. Tu mets une... J'arrive pas, je suis insatiable. Voilà, c'est ça le problème. Des fois, je suis insatiable. Quel est ton signe de fille? J'aime bien les seins. Ça, au moins, c'est dit. J'aime. Ça, c'est fait. J'ai des potes qui aiment les petits seins, moi, j'aime les seins. Oui, comment tu pourrais m'allumer?
en 30 secondes. Mais t'es déjà en feu. Ah, c'est clair, fuego. Tu sais que je suis expert en massage. T'as des mains en plus. J'ai des mains. Mmh. Je pourrais te masser, mais tout le corps, toutes les parcelles de ton corps. Même te sucer les orteils, si tu veux. Pourquoi c'était pas ça, alors, l'action? De sucer les orteils? Ah oui. Toi aussi, tu suces les orteils, pas? Non. Pas du tout? Bon. Autre chose. Arrête, c'est pas bien. Bon, t'as trois options. Ou tu me fais un smack, c'est-à-dire que tu veux qu'on se revoie de façon sensuelle. Ouais. Un bisou, on est potes, on reste potes, on s'appelle, on se boit des verres, on se marre, on se raconte aux histoires. Et une gifle, tu t'es emmerdé à son souleur. Toujours pour un commencement. Mais ça veut pas dire que j'aurais juste... Tu t'es trompé, c'était là. Ah, comment, comment? Ah, ça veut dire que la porte quand même est un peu entrouverte. Tout de même. Mais entrouverte comment? Entrouverte 5 cm, 10 cm. Je peux mettre le pied dedans. Ouais, tu peux mettre le pied dedans. Okay. Attends. J'espère que je vais pas être déçu. Vivi, là, tu m'as fait plaisir, tu m'as régalé. Oui, tant mieux. En plus, mais j'espère te revoir. T'as des lèvres très... Bah, si le smack, c'est pour qu'on se revoie. C'est clair. Et t'as des lèvres très pulpeuses. Merci. J'adore. Merci. Merci. Kiss. Bon, Julia, je suis super content de l'avoir vue. Elle est adorable, c'est vraiment une gentille fille. Elle est loin d'être con, ça pourrait être l'amour de... Je souhaite quand même mieux que moi, voilà. Je suis quand même un peu vieux pour elle. C'est un trop gros dossier pour moi, voilà. Mais je souhaite plein de belles choses. T'embrasse. Non, j'ai pas eu de bisous. Hein? T'as pas eu de bisous? Non. Un vrai, encore. C'est chaud, hein, Lily.